Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, intitulée comme thème aujourd'hui, s'appuyer sur les miracles pour continuer de croire est la marque d'une foi imparfaite. Le troisième test de la circonstance se trouve dans le livre de Ésaïe, en son chapitre 18, du 17e verset au 22e verset. Ésaïe 18, 17 à 22, examinant la parole de Dieu. Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre émission préférée, La Voix de l'Éternel Dieu. Que la grâce du Tout-Puissant surabonde en chacun de vous. Celui qui est quelque part en ce moment et qui a besoin d'une faveur de Dieu, j'ai prié, j'ai la foi que l'Éternel fera ça pour lui promptement avant la fin de cette émission. Et aujourd'hui, le Seigneur a encore une bonne nouvelle pour chacun de nous. Dieu veut nous révéler quelque chose qui était caché aux sages et aux intelligents. Et dans sa grâce, il veut nous le communiquer afin que nous soyons encore plus proches de lui pour jouir davantage de ses faveurs. Et aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui, qui est révélé par Dieu, c'est intitulé « S'appuyer sur les miracles pour continuer de croire est la marque d'une foi imparfaite ». Aujourd'hui spécialement, nous allons nous consacrer sur la parole de Dieu et la foi en Dieu. En un premier temps, nous verrons ce que signifie la parole de Dieu. Ensuite, nous pencherons sur ce que produit cette parole en nous. Et enfin, d'où vient la parole de Dieu? Que la paix de Dieu soit avec nous. Et bien-aimé, que signifie la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui est transmise aux hommes de différentes manières. Par le biais du Saint-Esprit. Dans le livre de Job, il est écrit que Dieu s'exprime tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et bien entendu, c'est nous qui ne prenons souvent pas garde à la manière dont Dieu veut communiquer avec nous. La pensée de Dieu contient et recèle la vérité de Dieu. La parole de Dieu révèle ses désirs les plus intimes. Lorsque Dieu veut faire de nous ses confidents, c'est par la parole. Lorsqu'il veut nous révéler des choses, c'est pas la parole. Et dans le livre de Psaume 119 au verset 160, il est écrit que le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et c'est ce que Jean 17, verset 17 va renchérir. En disant que ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Bien-aimé, où en es-tu actuellement dans ta marche avec le Seigneur? Combien de fois ouvres-tu ta Bible? Lorsque le désespoir te saisit, combien de fois ouvres-tu ta Bible pour pouvoir communiquer avec ton Seigneur? Est-ce qu'il t'arrive d'écouter Dieu lorsqu'il te parle dans ton cœur quand les tourments commencent par te menacer?
Il arrive des fois où tu passes quelque part et il y a une émission qui est en train de passer et il y a des paroles qui t'atteignent là où tu vas. Est-ce que tu es attentif à la voix de Dieu? Est-ce que tu es attentif à sa parole? On a dit que Dieu s'exprime de plusieurs manières. Il s'exprime tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que tu prends garde? Est-ce que tu prends garde pour saisir la parole de Dieu et l'écouter et échanger avec lui? Nous verrons maintenant ce que produit cette parole à nous lorsque nous la recevons. En Romains 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu produit en nous la foi. Et la foi, c'est l'essence qu'il faut pour notre vie de chrétien. C'est la foi qui alimente notre marche de chrétien. Comme l'essence dans le réservoir d'une voiture, lorsqu'il arrive que cette essence s'épuise, la voiture ne bouge plus. Il est exactement ainsi de la foi en nous. Est-ce que ta foi est alimentée au quotidien, bien-aimé? Puisqu'on dit que la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est dans la parole qu'on vient tirer le combustible nécessaire pour tenir la foi alimentée. Maintenant, si tu ne vas pas vers la parole, comment pourras-tu alimenter ta foi? Et comment pourras-tu espérer une faveur de Dieu en ce moment? Comment pourras-tu espérer que tes tourments, tes souffrances prennent fin? En Hébreux 11, verset 6, il est dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si tu n'es pas agréable, c'est que tu n'es pas dans les bonnes grâces de Dieu. Et si tu n'es pas dans les bonnes grâces de Dieu, comment pourras-tu espérer quelque chose de lui? Comment pourras-tu espérer qu'il tourne son regard vers toi? Comment pourras-tu espérer qu'il mette fin à tes souffrances? Tu n'as pas la foi pour recevoir. Et comment pourras-tu recevoir? C'est impossible, bien aimé. Et tout ça, c'est parce que tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu. Dans la semaine, combien de toi, de fois, tournes-tu vers la Bible pour lire et méditer? Combien de fois es-tu attentif aux évangiles qui passent sur les divers canaux? Combien de temps tu consacres aux réseaux sociaux et combien de temps tu consacres à écouter la parole de Dieu? Oh, réseau les dieux, pourquoi m'autant pour retenir à connaître tu es dans ce m'autant. Aujourd'hui, les ministres de Dieu ont travaillé jusqu'à aller mettre même les paroles de Dieu, partager les paroles de Dieu sur les réseaux sociaux. Oh, mais pas tellement pour m'autant là, il y a m'autant pour quoi côté les bidi. De telle manière que demain au jugement, tu ne pourras pas dire que personne ne t'en a parlé. Bon, ça je vois déjà ça, mais les dormir, anando moi. Mais il nous arrive de zapper ces publications lorsque nous tombons sur ça parce que ça nous paraît en même temps ennuyeuse. Hello, WhatsApp, Dieu, les autres du boulot, vous dites, ma voiture, et les chiens, et nos fonctions. Mais nous nous plaisons à passer du temps à écouter des blagues, à écouter
de tout ce qui ne contribue pas à notre édification. Si c'est passer des heures à regarder des vidéos obscènes, nous sommes prêts pour cela. Si c'est pour passer des heures à midi, nous sommes prêts pour cela. Mais nous n'avons pas le temps pour écouter la voix de Dieu. Nous n'avons pas la disponibilité pour écouter sa parole. Mais quand c'est comme ça, nous sommes comme des tonneaux vides, nous n'avons pas la foi. Mais quand, sans cette foi bien-aimée, qu'est-ce que tu peux espérer de Dieu? Puisque la parole de Dieu, ça produit la foi. Et c'est grâce à la foi que tu peux obtenir de Dieu quelque chose. Maintenant que tu n'as pas la parole de Dieu, maintenant que tu ne t'intéresses pas à sa parole, et tu restes là à te plaindre sur ton sort, que veux-tu que Dieu fasse finalement pour toi? Bien-aimé, ressaisissons-nous. Maintenant, nous allons nous demander d'où vient cette parole de Dieu. En Jean 1, on a dit que au commencement était la parole. On dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout chose a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et on a dit au verset 14 que cette parole s'est fait chair pour habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ces paroles s'est matérialisées en la parole de, en la personne de Christ pour nous annoncer le salut. Pour arracher nos âmes des flammes de l'enfer. Pour nous conduire dans le royaume splendide de lumière du Père Céleste. Cette parole est en nous, elle est présente parmi nous. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je te conjure de te tourner vers Christ, de l'accepter, d'accepter cette parole qui vient de Dieu, qui était aux origines avec Dieu, et qui s'est matérialisé en nous. Que la paix de Dieu soit avec chacun de nous. Que ce qui te préoccupe en ce moment, que le Seigneur daigne t'apporter la bonne réponse. Je prie que sa lumière te visite, que sa grâce te visite en ce moment. Que tu puisses lui donner ta vie. Que tu ne sois pas seulement un chrétien qui vient les dimanches. Que tu ne sois pas seulement un chrétien du nom. Mais un véritable fils du royaume. La paix de Dieu soit avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.